ordonnance présidentielle numéro 23-042 qui nous réunit ici, qui crée cette circonstance. L'Église n'a pas voulu faire une conférence de point de presse parce qu'on a été empêché, parce qu'il y a beaucoup de membres des journalistes qui viennent pour avoir les points de vue, les opinions, les sentiments des responsables de l'Église. Voilà pourquoi ils se sont décidés de répondre à tout le monde et au même moment. Nous avons le représentant provincial de la ville de Kinshasa qui est à la principale, le révérend Sylvain Sessouane Diana. Il va circonscrire la date d'avant-ici sa vie et l'événement. Et directement, sans une autre procédure, nous allons procéder directement à juger des questions-réponses pour ceux qui ont des préoccupations. Je sais que vous en avez tellement assez, c'est pourquoi, depuis hier d'ailleurs, vous étiez là. Sinon, je demande à tout le monde de mettre son téléphone sous le vibreur silencieux pour ne pas déranger la salle. Et sinon, nous vous accueillons à la poutine qui m'a listé au nom du Père du Saint-Esprit. Sans plus tarder, je demande au révérend représentant provincial de Kinshasa, le Brésil Veste, si vous pouvez déjà prendre la parole. Merci pour la parole. Oui, si nous sommes réunis ce jour, c'est pour manifester notre reconnaissance, notre gratitude, nous Kimbanguistes, à commencer par notre chef spirituel, son éminence, Papa Simon Kimbangu Kyangan, qui est actuellement à Brazzaville, en mission pastorale. Et nous venons d'être témoins, nous sommes témoins, et avant-hier, de l'ordonnance présidentielle décrétant la date du 6 avril, fériés, chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. Jour du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Donc pour nous, c'est une fierté, c'est un motif de fierté, c'est une grande joie, et à commencer par Papa Simon Kimbangu et tous les Kimbanguistes à travers le monde. Nous sommes très reconnaissants vis-à-vis du président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cet acte patriotique. Donc, ce n'est pas donné à n'importe qui, parce que nous avons attendu cet événement depuis longtemps, depuis Papa Diangende. Et aujourd'hui, chose faite, donc pour nous, c'est une grande joie. 6 avril, en bref, c'est la date du début du ministère public de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu a reçu la mission de la part de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Papa Simon Kimbangu n'a pas accepté cette mission lourde, mais son épouse, Maman Mouilou, l'a appuyé, l'a encouragé, l'a soutenu et lui a demandé de l'accepter, c'est-à-dire cette mission, car il va le soutenir. Donc Maman Mouilou va soutenir cette œuvre de Papa Simon Kimbangu. Et Papa Simon Kimbangu a accepté. Bref, Papa Simon Kimbangu a demandé à Maman Mouilou le 5 avril 1921, le 6 avril de sonner la cloche pour commencer son ministère public. Et Maman Mouilou l'a fait. Donc, celle qui a sonné la première cloche pour inviter la Sainte Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de venir ici-bas recevoir nos doléances, et puis nous enseigner la parole, c'était Maman Mouilou. Après le culte matinal, Papa Simon Kimbangu s'est rendu dans un marché appelé Nsona. Arrivé à Ngombe Kinsuka, il y avait une femme, une jeune femme au nom de Kiantondo, qui souffrait de maux de tête depuis longtemps. Et elle a utilisé toutes les procédures possibles. Elle est allée à l'hôpital. Les serviteurs de Dieu ont prié pour elle, les féticheurs même ont fait leur travail, mais rien n'a marché. Mais arrivé à Ngombe Kinsuka, Papa Simon Kimbangu a dépassé la maison de Maman Kiantondo, arrivé quelque part, et Jésus-Christ lui a rappelé que « Mais rentrez, je t'ai dit de commencer ton travail, de guérir cette femme qui souffre depuis longtemps de maux de tête. » Et Papa Simon Kimbangu est rentré. Et au nom de Jésus, il a guéri Maman Kiantondo miraculeusement. Donc c'était le premier miracle de Papa Simon Kimbangu officiellement, publiquement.
Et c'était le départ du ministère public de Papa Simon Kimbangu. Et l'information, la nouvelle a traversé les frontières, Angola, Brazzaville et le monde entier. Et tout le monde convergeait vers Nkamba pour soit recevoir la bénédiction, soit pour la curiosité, certains même pour chercher comment l'accuser auprès de l'État belge. Et donc voilà le ministère de Papa Simon Kimbangu, comment est-elle commencé. Et après tout, on est venu l'arrêter. La tentative avait échoué le 6 juin 1921. Papa Simon Kimbangu est allé se réfugier en Bandassane pour 3 mois. Et là aussi, le 10 septembre 1921, il a reçu et il a prophétisé ce que nous vivons aujourd'hui. Donc la prophétie de Papa Simon Kimbangu, ce que nous vivons aujourd'hui, et il l'a prophétisé le 10 septembre 1921. Au retour, arrivé à Ngombe Lutete, les élèves de l'école le suivaient pour l'appuyer, pour le soutenir, donc contre les Blancs qui torturaient et Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu leur a dit, rentrez en Kamba, car c'est vous qui allez diriger ce pays dans différents domaines. Donc, rentrer étudier, ils ont refusé, ils ont continué à suivre Papa Simon Kimbangu pour le soutenir, l'appuyer. Et arrivé à Ngongo Kimbanda, il y a des écritures qui sont sorties dans le vide et qui disaient, je peux traduire littéralement ou bien dynamiquement, ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a prophétisé va se réaliser automatiquement au moment venu. Et à partir de là, ces élèves sont rentrés à l'école à Ngombe Lutete pour continuer leurs études. Et arrivé à Nkamba, 11 septembre, le 12 septembre 1921, il était arrêté et conduit en Banzangungu. Le 3 octobre 1921, c'était sa condamnation à mort. Et il est allé purger sa peine à Lubumbashi. Il a fait 30 ans, contrairement à Mandela qui a fait 27 ans. Donc Papa Simon Kimbangu, c'est le vieux prisonnier de l'opinion internationale et nationale. Il a purgé sa peine de 30 ans à Lubumbashi, mort le 12 octobre 1951, enterré le 13 octobre 1951, comme prisonnier d'ailleurs, et surtout que le pays n'était pas indépendant. Et le 25 mars 1960, sur la recommandation qu'il a laissée à Papa Diangenda, son fils, qu'au moment venu, tu vas prendre mon corps et l'enterrer ou bien l'installer en Kamba, mon village natal. Et Papa Diangenda, ensemble avec ses frères, ont fait ses devoirs et c'était le 25 mars 1960, l'exhumation a eu lieu. Et le corps est arrivé ici à Kinshasa le 2 avril 1960, avant même l'indépendance, exposé à Matadi Mayo. Raison pour laquelle chaque 2 avril, nous avons l'habitude de la fêter à Matadi Mayo, ici à Kinshasa. Le 3 avril 1960, le corps est arrivé à Nkamba jusqu'à présent. Donc il y a un fait, quelqu'un qui est mort le 12 octobre, qui n'a pas subi, qu'on n'a pas appliqué un produit chimique, mais curieusement, 9 ans après, le corps est resté intact. L'œil droit ouvert et l'œil gauche est fermé, c'est ça un événement. Et en Israël, si nous lisons dans Hébreux 9, verset 4, ce qui faisait la force spirituelle d'Israël, c'était les objets. Donc dans l'Arche de l'Alliance, c'était implanté ou bien placé les manes que Dieu leur donnait en cours de route entre Égypte et Canaan, la terre promise. Il y avait aussi les bâtons prophétiques d'Aaron et puis les 2 tablettes de la loi. Ce sont là les objets qui faisaient la force spirituelle d'Israël. Mais contrairement à nous, ce ne sont pas des objets qui font la force spirituelle de la RDC ou bien de l'église kimbanguiste, mais plutôt c'est le corps physique de Papa Simon Kimbangu qui est placé, installé en Kamba Nouvelle-Jérusalem dans les mausolées et ceux qui ont la chance ont déjà palpé du doigt. Je pense que c'est ça en bref l'histoire du 6 avril.
C'est le début du ministère public de Papa Simon Kimbang, envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, après un combat, même d'ailleurs, Papa Simon Kimbang qui a gagné organisé deux conférences internationales sur Papa Simon Kimbang. Et dans ces conférences, il y avait des recommandations. Et l'une des recommandations demandait à l'État congolais de proclamer le 6 avril, journée fériée, chômée et payée. Et aujourd'hui, chose faite. Donc pour nous, c'est un motif de fierté. Et tous les Kimbanguistes derrière son éminence, Papa Simon Kimbang Kiangani, remercient sincèrement le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cet acte patriotique. Je pense que c'est ça en bref, ce que nous pouvons dire par rapport à la date du 6 avril. Et nous nous remettons à vous. Merci, Vénérable Représentant, pour ce rappel historique très important. Là, nous passons juste question réponse. Je rappelle encore que nous devons mettre nos téléphones sous vibreur pour ne pas déranger surtout les caméramens qui prennent les images et le son. Nous allons procéder cinq questions. Une question d'abord à chaque journaliste. Et puis, on va évoluer comme ça. Vous présentez votre organe et vous posez votre question. Merci beaucoup la parole. Moi, c'est même 15 ans. C'est pour le compte du journal Les Sondages, Les Sondages pour Info Alléguie. J'ai deux petites questions à poser. La première, c'est cadre sur la date du 6 avril. Une date que l'État congolais a déclaré férié pour tous les territoires nationaux de la RDC. Je voulais maintenant savoir quel sera l'impact de cette date et d'outre-mer dans les autres pays, car les Kimbanguistes ne sont pas seulement les peuples congolais, mais sur d'autres pays, il y a aussi les Kimbanguistes. Quel est rapporte l'impact de cette date? Là, c'est ma première préoccupation. Et deuxième préoccupation, nous sommes dans un État laïque. Il y a des autres confessions religieuses. Quel message une Kimbanguiste adresse aux autres confessions religieuses à propos de cette date par rapport à leur confession? Merci. Merci beaucoup. Voilà, je pense que nous allons pouvoir répondre en attendant que les autres viennent. Vous avez la parole, je vais vous présenter. Oui. La première question, c'était 6 avril férié, quoi? Préciser un peu. Préciser. La première question, le journaliste a voulu savoir quel est l'impact de cette date du 6 avril pour ceux-là, congolais ou kimbanguistes qui se trouvent à travers le monde, bien évidemment. Et comment, quel est l'impact de cette date à l'étranger pour non seulement les kimbanguistes, mais aussi d'autres congolais? Ce que le président de la République a fait, a réalisé, était attendu de tous. Tout le monde attendait cet événement. Ce ne sont pas seulement les Congolais d'ici ou bien les Kimbanguistes d'ici, mais aussi de l'étranger ou bien ceux qui sont ailleurs. Parce que l'église Kimbanguiste s'est implantée à travers le monde, aux États-Unis, en Chine, en Europe, partout au monde. Donc l'impact, tout le monde est content parce que le président vient d'accomplir quelque chose que tout le monde attendait. Donc c'est une grande joie, c'est une grande fête. Bien que cela soit déclaré férié, chômé, payé en RDC d'abord, là où Papa Simon Kimbang a commencé son ministère. Et son pays d'origine, d'abord ici, même il a commencé sa mission ici. Et après, l'église était implantée ailleurs. Donc comme le président Félix a posé cet acte de patriotisme, je pense que les autres présidents, les autres nations, là où l'église Kimbangui s'est implantée, vont emboîter les pas. Donc la fierté, la joie n'est pas seulement manifestée par les Kimbangui, ou bien par les Congolais d'ici, mais aussi ceux qui sont ailleurs, fêtent, bien que ce n'est pas férié pour eux, mais ils vont fêter. Le 6 avril est fêté partout, là où l'église Kimbangui s'est implantée. Il révéla représentant, le journaliste a voulu encore savoir, nous sommes dans un pays laïque, déclaré constitutionnellement laïque, mais cette date elle appartient seulement aux kimbanguistes. Quel est le message que vous apportez à d'autres qui ne sont pas kimbanguistes pour que peut-être ils s'approprient aussi
Je pense que c'est ça, non? Merci. Oui, bien que le Congo soit déclaré un pays laïque, mais le combat de Papa Simon Kimbangu n'est pas seulement pour les Kimbanguistes. Et quand Papa Simon Kimbangu a commencé sa mission, il n'y avait pas l'église Kimbanguiste. Papa Simon Kimbangu, sa lutte était pour la libération de l'homme noir. Donc l'homme noir dans son ensemble. Et tout le monde doit se réjouir, bien que nous appartenions à n'importe quelle église, mais avant tout nous sommes noirs et nous sommes congolais. Je pense que la lutte appartient ou bien doit être bénéficiée, cette déclaration du président de la République, et tout congolais en particulier et noir en général doit être content, doit l'accueillir avec joie. Donc la lutte de Papa Simon Kimbangu n'est pas seulement pour les Kimbanguistes ou bien pour les Congolais de la RDC, mais pour toute la race noire. Même Papa Diangenda, quand il voyageait partout, il disait que « Nganazako kanisake, boyo baza isika mususu baza malam, mena tamboli na mokil mobimbati in Australie, kuna batumwindu bazali konyokwama. » Vous comprenez? Donc la lutte de Papa Simon Kimbangu est pour toute la race noire. Donc tout le monde doit être content de cet événement que nous venons de bénéficier, la déclaration de la journée ou bien du jour, la date du 6 avril, comme férié, chômé et payé. Je vois le président du collège. Je vais le compléter. Papa Simon Kimbangu est venu pour libérer l'homme noir qui a beaucoup souffert. Alors, il n'est pas venu tout simplement pour le Kimbanguiste, c'est pour toute la race. Papa Simon Kimbangu dira, nous savons maintenant que l'homme noir deviendra blanc, l'homme blanc deviendra noir. Pas par la peau, mais par les fonctions que nous aurons assumées. En ce temps-là, le Congo belge était géré par le Belge. On avait un gouverneur général, on avait des gouverneurs là de province qui étaient de Belges. Pétillon, tout ça. Alors, Papa Kimbangu avait bien prophétisé que l'homme noir deviendra blanc. Nous avons accédé à l'indépendance. Il a même projeté, il a même prophétisé sur l'indépendance africaine. Alors, dans notre pays, pour aller plus vite, Papa Kimbangu a donné la faveur à tout le monde. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a fait pour Simon Kimbangu? Dans notre pays, nous avons 4 langues nationales. 4 langues nationales dans notre pays ici. Le Kikongo, le Lingala, le Swahili et le Chiluba. Vous voyez? Alors, Papa Simon Kimbangu, dans sa prophétie, en 60, nous avions le pays accédé à son indépendance, le Congo belge. Nous avions eu comme président de la République le Papa Kasavubu. Il n'était pas kimbanguiste, c'était un catholique, mais il a eu le pouvoir, il a eu à diriger même ce pays. Voilà. Bon, après tout, c'était pour le Bakongo. Vous voyez, Kasavubu, il est le Congo central, Bakongo. Il dit non, comme il est pour tout le monde là, pour toutes les tribus. Après, Kasavubu, Papa Simon Kimbangu, dans sa divinité, il a confié le pouvoir au Bangala. Le président Mobutu, il a accédé au pouvoir. Donc, les Bangalas se sont retrouvés à travers le président Mobutu. Il dit, ah, c'est là où j'ai l'homme beaucoup. Voilà. Qu'on soit du nord au Bangui, sud au Bangui, Mongala, tout ça, Équateur, tu vois pas. Ils sont dit, ah, c'est le pouvoir. Mais c'est le Bangala.
Papa, Kimba Moulura, dans le pouvoir. Les invitations. 2011. Après ça. Allez. Bon, il est choisi. Prends le pouvoir. Papa, Laurent Désiré Kabila, président de la République, comme on l'a assassiné, Dieu dira non, son mandat n'était pas encore terminé. Son fils, Joseph Kabila, a pris le pouvoir. C'est le Bachoï. Oui. Après ça, nos amis Kassayens, est-ce que nous n'aurons pas tout ça? Et vous, l'apaisement, Papa Félix, Papa Tshisekedi, Tshilombo. Voilà. Il nous a donné cette grande occasion avec l'ordonnance présidentielle décrétant la journée du 6 avril, férié, chômage, tout ça. Voilà. Mais donc, Papa Simon Kimbangu est venu pour toute l'humanité entière. Voilà. Hein? Dans sa vision, il a donné le pouvoir à tout le monde. Papa Simon Kimbangu, d'ailleurs, parmi tous ceux qui sont passés présents de la République, il n'y a pas de Kimbanguiste. Mais ce sont des sympathisants, tout ça. Mais ils ont le pouvoir. Vous voyez. Donc, Papa Simon Kimbangu est venu pour toute l'humanité, pour toute la race. Vous voyez. Personne ne dira, Papa Kimbangu nous a oubliés. Non. Les Bakongo ont eu leur part. Les Bangala ont eu leur part. Les Bachoueli ont eu leur part. Comme les Balouba, les Kassayens ont eu leur part. Voilà, en bref, c'est ça. Merci beaucoup, révérend. Donc, c'est bien répondu. Merci. Quelqu'un d'autre? Donc le combat de Papa Simon Kimbangu est universel. Voilà. Il est pour tout le monde, pour les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les églises du réveil, oui. Et que sais-je encore. Oui, je voudrais aussi faire un petit complément. Vous voyez que Papa Simon Kimbangu, c'est notre ancêtre commun. Il est là pour tout le monde. Ce n'est pas le premier geste, mais le premier acte pris par le pays pour le reconnaître ou pour reconnaître son combat. En 1991, sa condamnation était annulée. Il y a eu amnistie. Ça, c'était le temps de l'époque du président Mobutu. C'est la reconnaissance. Ça, c'est reconnaître son combat. En 2011, avec la révisitation du processus de Papa Simon Kimbangu, avec le président Joseph Kabila, c'est aussi la reconnaissance de son combat. Et aujourd'hui, ça c'est un troisième acte qui laisse tache d'huile. Parce que maintenant, du moins, tout Congolais doit chercher à connaître les grandes lignes de l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Parce que le 6 avril, c'est chômé pour rester à la maison. Il faut connaître pourquoi vous restez à la maison. Donc, j'insiste pour dire que non, Papa Simon Kimbangu, c'est l'homme de tout le monde. C'est notre ancêtre commun en tant qu'homme noir. Il ne faut pas échapper. C'est à nous maintenant d'être reconnaissants envers lui. J'ai donné un autre exemple pour essayer un peu d'aller un peu plus en profondeur. Maître Croquet, l'histoire de l'indépendance. Papa Nguenda, c'est le fils cadet de Papa Simon Kimbangu. Le 4 janvier, des problèmes sur IMCA. Parce que la Bako se battait pour l'indépendance, coûte que coûte, de ce pays. Mais les Belges n'étaient pas d'accord avec la Bako pour accorder l'indépendance au peuple congolais. Ils organisent un match de foot pour essayer d'embrouiller les gens. Il y a les Noirs contre les Blancs. Les Noirs, c'est Vita Club. Et les Blancs, c'est Mikado. Mais les politiciens ont dit non, nous allons à IMCA pour l'indépendance. Et d'autres disent que non, nous on va d'abord assister au match et après venir à IMCA. Et plus tard on dirait que non, le meeting vient d'être annulé. Ça fait la tension. Ça fait la tension. Et au niveau du match, le match était à un but partout. Mais il y a eu un ancien joueur de Vita qui était acheté par Mikado, qui venait de marquer un deuxième but, qui a aussi fait monter la tension au stade. Donc les Congolais sont sortis trop mécontents en direction de IMCA. Arrivé là-bas, ils ont trouvé la même tension. Bref, il y a eu ce qu'il y a eu, des morts, des casses, parce que, c'est pas moi, la police
disons, les soldats de la force publique ne pouvaient pas contenir la foule. Et la foule a contenu la police. C'est eu ce qu'il y a eu. Et à la fin, on a arrêté des cadres de la Bago. Et certains ont fui vers Brazzaville. Et après tout, il fallait rendre compte. Les Belges disent que non, ici, c'est la Bago qui est responsable. On a arrêté les cadres. Maintenant, il fallait tout faire pour libérer les cadres de la Bako qui étaient en prison. On a mené des démarches. Ceux qui sont partis au niveau de Brazzaville, je vais aboutir pour citer. Ils arrivent au niveau de Brazzaville, ils ont mené des démarches. On a fait, parce que le Congo-Brazzaville, c'est colonisé par les Français. On a fait appel à Maître Coquerel, qui était français, pour venir défendre les cadres de la Bako arrêtés. Maître Coquerel arrive. Il a eu ce qu'il a eu comme instruction. Il a traversé sur Kinshasa. Il a commencé les démarches pour libérer les cadres de la Bako. Mais il a trouvé que les montants demandés étaient exorbitants. La Bako était incapable de faire face à ces montants pour libérer ces cadres. Kassavoube qui dit que non, je veux voir Papa Dianguenda qui se battait bec contre un pour toujours libérer, pour que le pays soit indépendant. Donc cette caution-là, c'est Papa Simon Kimbangu à travers Papa Dianguenda. C'est dit que Papa Simon Kimbangu, c'est le père de l'indépendance. Voilà, c'est le combat de Papa Simon Kimbangu. Si aujourd'hui, le président de la République prend cet acte de fête du 6 avril, une date fériée, et un jour férié, je crois que il ne s'est pas trompé des portes. J'ai dit. Merci. Donc, par rapport aux confessions religieuses, le président n'a pas récompensé l'Église, bien la confession religieuse, mais les combats de Papa Simon Kimbangu, dont nous, Kimbangu, sommes bénéficiaires. Donc, c'est les combats et tout le monde se retrouve dans ces combats. Moi, c'est Iverson Kaboaba, journaliste et reporter à la RTNCU. Révérend Sérès, les téléspectateurs qui vous suivent à travers le monde, plus particulièrement la communauté chrétienne, voudraient savoir pourquoi valoriser la date du 6 avril. Merci, je pense que c'est clair. Avant sa mort, il a commencé son ministère. Donc si vous parlez de sa mort, nous allons parler aussi de sa naissance, le 12 septembre. Mais c'est l'État congolais, ce n'est pas l'Église, c'est l'État congolais. C'est par rapport à son combat. Il a commencé son ministère, c'est-à-dire le début de son combat. C'était le 6 avril 1921. Je pense que c'est ça la réponse. Voilà, à moi qui ai l'élément de complément, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Bien, merci. Je suis Précieuse Boyo, journaliste au premier média des femmes, Près l'Info. Nous savons tous que Maman Mouilou était bel et bien l'épouse de Papa Simon Kimbangu. Et quant à ça, ma question est la suivante. Quel a été l'apport de Maman Mouilou aux côtés de son mari? Pour être plus clair, son apport dans le combat de son mari qui est le sujet du jour. Oui, oui, l'apport de Maman Mouilou, c'était d'abord son soutien. C'est lui qui a encouragé son mari, qui refusait l'offre de Jésus. Et Maman Mouilou lui a dit, acceptez, je vais te soutenir. Je vais soutenir ton œuvre. C'est parti de là. Et quand on a arrêté Papa Simon Kimbangu, c'est Maman Mouilou qui a continué l'œuvre. Ce n'était pas encore une église, mais c'était un mouvement. C'est Maman Mouilou qui encadrait tout le monde qui venait en camp. Venait de Brazzaville, Angola, de Kinshasa et d'autres provinces. Ils étaient encadrés par Maman Mouilou. Elle avait le charisme, la spiritualité. Donc toutes les qualités possibles, elle en avait. Et c'est elle-même qui a donné, livré les premières cartes au premier catéchiste de l'église Kimbangu, c'était le 12 avril 1959, avant même sa mort. Et elle a même prophétisé qu'ici, en Kamba, un jour sera érigé
ou bien fonder une école. Les gens viendront de partout pour apprendre la parole de Dieu. Et chose faite aujourd'hui, c'était le 26 juillet 1963, la création de l'école de formation biblique qu'on a dénommée École Maman Mouil. Donc, Maman Mouil peut être aussi appelée prophétesse, parce que selon Jérémie 28 ou 29, verset 9, si quelqu'un prophétise ou bien déclare quelque chose et que cela se réalise, et donc son message vient de la part de Dieu. Donc, Maman Mouil peut être appelée aussi prophétesse, parce que ce qu'elle a prophétisé s'est réalisé, et il y en a beaucoup. Elle a bien encadré ses enfants, Papa Gisolokele, Papa Dialongane et Papa Diengen. Papa Gisolokele était le premier à être relégué à Boma le 7 octobre, si je ne me trompe, 1921. Et elle a bien encadré ses enfants, Papa Diengen qui avait 3 ans, Papa Dialongane qui avait 5 ans. Et voilà, aujourd'hui, c'est eux qui ont tenu commande de l'Église. Et maintenant, nous avons les résultats. C'est Papa Diangenda qui a tout fait. Nous appelons les bâtisseurs de l'église Kimbangis, grâce à l'encadrement de Maman Mouil. Donc, Maman Mouil a beaucoup fait pour cette église. Et quand elle a terminé son ministère, et voilà, il a cédé, fait la remise et reprise avec son fils cadet, Papa Diangenda. Elle est partie le 27 avril 1959. Donc, Maman Mouil a beaucoup fait pour le Kimbangisme. Donc, elle mérite nos éloges. Merci. Et compléments. Merci beaucoup. En plus de ce que le révérend Surbens venait de dire, Maman Mouil était la gardienne du patrimoine kimbanguiste. C'est elle qui a conservé les archives kimbanguistes que nous exploitons aujourd'hui et qui ont servi à écrire l'histoire du kimbanguisme par son éminence, Papa Diangenda Kuntima. C'est tout simplement dire que Maman Mouilou, nous pouvons dire, était la première chef spirituelle de l'église kimbanguiste, entre guillemets. Voilà. Merci. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est le jour consacré à son honneur à l'église. Oui, le mercredi, oui. Oui, qui vient. Merci pour la parole. On m'appelle Arthur Abedi, je suis de Bosso de Télévision. Ma question, je vais la poser en lingala. C'est en 2021, deux chefs de l'État a promis à qui ma fidèle kimbanguiste est la Kama, et c'est en 2023 a concrétisé promesse naïe. Actuellement, ils ont assez pour la kimbanguiste, ils ont fait, nous voulons un peu savoir, tout au long de la célébration pour la première fois, chronogramme, ils ont tracé l'église pour nous célébrer. Faites Oyo. Est-ce que Papa Simon traversera de Brazzaville pour Kinshasa pour nous participer de tous à la balade de Bousso pour vous fêter après l'État? Merci pour Namotona. Papa Koyate, depuis dimanche passé, après ça qui est déjà programme naïe, dimanche Oyo a fêté Kuna. Non, le 2 avril, dimanche passé, à l'Obaki a fêté Kuna. Nde ansui ribiso boyina butu, ya lobi potokoma lelo. To senga na gouverneur to komage deja mukanda se kotaki pona marche joyeuse pe pacifique ndenge to sala kana Noël donc carnaval e banda na ba paroisse na biso kino na centre d'accueil point de chute et seka manifestation e koleka nde yango to zozela réponse mais loko les appel journée ou bien jour férié et appel kambo chef de l'état sali na kanse gouverneur akoboyate. Bisonion sondenge to lobaki église kimbangisi banda na tata mokonja bule kaka tango ordonnance wana ba promulgue yango asala ki deja réaction na pokwa wana na Brazzaville alobi likambe koyo kuna na RDC likambo toza kozela to zui makambo misato alobi ya liboso date nini lelo ba répondre ke mokolo nzoto ya Papa Simon Kimbangu ekota ki na nkambo le 3 avril 1960, développé le 3 avril 2023, Mokonja Mboka a promulgué l'ordonnance naïe, vous allez co-décréter jour, il y a 6 avril, férié, chômé, payé, paye à conscience africaine. Il y a mis balai,
Donc, il y a les Bosso, ils allaient le 3 avril. Nous autres, à Papa Simon Kimbangu, côté, il y a les Bosso. Il y a mis Balende, les Kamboyo, il y a férié, jour férié. Il y a mis Sato, et il y a un dirigeant P, à côté de qui a vécu le Ben et Nayekuna, pour qu'on na Mokondiaboule, pour soutenir Misala, il y a centre agro-pastoral, il y a Kunzulu, na Congo-Brazzaville. Donc, Mokondiaboule, déjà, il y a un Saki et Sengonaye, et il y a les Kambo, il y a un Saki et Naposa. Lokola mokonza mboka kokise la kapesa ki na centenaire église na 2021 na Nkamba et sengondenge ezalaki na Nkamba mokontango alobaki ka yango ke na sengi na preda ya Senat na ya Assemblée nationale bazali présent awa bako kakosala na lombango de façon que 6 avril est comme férié chemin pe payé et bakimbangi se nyonso batondisa makine sengo. Donc, tant que vous avez dit en 2023, deux ans après, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit en même temps que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Pour Papa Simon Kimbangu Kiangani, à l'objet de la débit de Mboula Oyo, que vous avez recommencé à zéro. Yami Balé, à l'objet, a rappelé le chiffre de Papa Diangenda Pesak 3, 5, 15. Tango biso tozo sala analyse na biso interprétation na biso en tant que bateau. Soki tozui 3 plus 5 ezali 8. Tozui 8 plus 15, 23. Et tozali na ne 2023. Alobi to recommencer à zéro, donc compter à zéro. Et tango tozali ko tala Bible. Soki totali na Exode 12 pe Exode 13, Nzambe azali ko loba na Israël na Moïse y banda lelo. Sanza oyo, c'est-à-dire les années sanza avril, Abib kuna na Hébreu, sanza oyo avril, oyo bino bo bimi na bo wumbo en Égypte, bozo kere na mokile lakak, désormais komi lokole bandeli ya mbula, c'est-à-dire janvier na bango. C'est-à-dire spirituellement, janvier na biso ezali avril. Et chef de l'État ye kozwa mokana ngo kaka na avril, papa lobi toko reprendre, toko recommencer à zéro. C'est-à-dire spirituellement, tozo bandelande. Et puis papa Diangenda lobi soki bakoye ba tata nangate loko moye ko tambola na mokili ezate tant qu'ils ne reconnaîtront pas mon père rien ne va marcher dans ce pays a déclaré kango na contexte à conférence nationale souveraine boyebi yango kuna bato amayele ba wuta ki na monde français zo toka lokola bato yo babota mapenda na France mais basenga ki na cadre ya société civile ba mangombe za na cadre ya société civile bato na bato ba pesa vie na bango balingeli 3e république za na ndenge nini nde comme tour église kimbangisi papa lontadi la moto akena ko représenter église na qualité na secrétaire général na tangwana tango abandika ka kotanga point de vue église kimba ami comme la ki na katikati te bato ba conférencier ba beti ba sapato na ba meza ba wololiye ba tie des ordres pe monseigneur monsengwa katiye malopo. Papa Diangenda zako lanango na kaka wana centre d'accueil en direct. Papa Diangenda beti loboko na mesa. Alobi tant qu'ils ne reconnaîtront pas mon père, rien ne va marcher dans ce pays. Et conférence nationale souveraine bozo mona wana et kobi ma fiasco zéro et loko moko ko simba konate. Même intellectuel ki mbangi bazana ki na doute. Papa France ndengwa ne zo toka ben intellectuel ba wuti et monde entier. Papa loba ke loko ko bima konate. Et loko ya kokamwa bino na biso tozalaki awo. Baibu ya mboto bayibi pe kara reportage ba kenango. Conférence sila gandenge tozana kadro. Ti lelo ba résolution nango soke kenda wapi toyebite. Mais papa diangena déclara ki ango avant. Ke kocha na bino motema kuna te fiasco. Makambeza na makolono mwana papa simo kimango awo. Kuna bakoko kima 200 km en l'air. Et loko moye kosimba te. Donc oyo mokonda mboka sali ezali de livrance ya RDC. Ezali de collage soki bozo yebate ba journaliste bo panza sango o ezali de collage a RDC nini biso to monete ba président boni ba changer po biso kansaki oyo mokonete lokola ka comme ministre ka comme lokola député ka comme boye en tout cas makambe bongi mais eloko mokote mais nzoka nde secret yango yo président Félix Assali e wana za pa moko mais mususu ya mondene tikali soki asali yango fini toko banga lisusu ba américain ba français ba nani te donc tozo kena ko luka solution hier mais nzoka nde solution tozo tikawa ba journaliste bo sali sa président de façon que sangwe kende solution yango abandi oyo papa ko loba na ye papa se moki manki angani asala yango okomona ke solution ko zo ampe kimye kokota
bino bozala ba évangéliste na ye bosunga po sangwane koma donc oyo président sali ezali likambo moko monene molimo na nzambe lati ye e makambo nzambe za la ka facilité il faut kozana courage so courage za te po ben intimidation ba kale za ebele il faut kozana courage e yango to bengi yango acte patriotique donc tala mayeto ko koloba je complète. Je veux dire, c'est une question de l'église. Est-ce qu'il y a un peu de fête? Non, mais l'église est organisée, hiérarchisée. Parce que, est-ce qu'il y a Brazzaville? Mais qu'est-ce qu'il y a dans le camp? Ou quand c'est peut-être sur place? Parce que, mais tout, qu'est-ce de tout moi. On est organisé de ce côté, plein de choses à la côté. Il n'y a pas qu'un camp, mais si quand nous soutenons les gens, le jour de lobby de 6 avril. Parce que pour les gens, ils ont déjà la maquilla. Ils ont encore un mot, ils ont toujours fait. Mais ils ont commis boyer, c'est-à-dire que les bêtises étaient. Ils ont en plein moussous. Ils ont vu en plein moussous. Donc là, ils vous apaisent. Merci beaucoup. Donc, papa a été fêté à Yango, na Brazzaville. Voilà. Biso toza na Kinshasa toko fetango awa na centre d'accueil na instruction na ye bayo bazana nkamba bazo fetango na nkamba papa conseil dire papa mbenza wote ko benga biso siko ya lobby to pesa to libérer mi toke lingé même ba musicien et même ba provinciaux na bato mususu ba wote ba province ba kene kozela papa na nkamba mais biso tozo tika lao non seulement lobby papa conseil direct à l'obin instruction ya mokondia boule tozo sambela liso dimanche awa na san c'est-à-dire tozo kene nkamba te kino papa ye moka koloba na biso donc tozali au dimanche donc liboso wa événement mosusu ezali koya donc toko fêter awa na centre pona biso bakimbangise ndenge mbuta lobi partout église ki mangi ezali implanter lobi bako fêter non seulement pona journée chez férié chômé mais ezalaka déjà fêter. Ezala na Porto, ezala na America, ezala na Portugal, bakimbangi se nyonso na ba sympathisant lobby bako sambela. Eza ekota na makila. Merci beaucoup. Oui, papa, merci beaucoup. Molière Tsingala pour le compte Molière Télévision Canal Plus. Otuna na le kozami na Lingala. Merci beaucoup au lobby biso ba journaliste et tout qui ne bokanda sango. Je pense que l'énergie bimi si na motuna ne ba tourner kawa. Il y a quelques questions à retourner sur le corps, comme il s'attaque à la même énergie, on a des questions d'habitude, pour tout le monde, pour transmettre un message bien à travers le monde. En ce qui concerne, c'était le 6 avril, nous sommes tous allés en Kamba, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mon frère Tibéton, a été amené devant les chrétiens, qui m'ont dit, date le 6 avril, et dans la plus bien journée fériée et chômée. Et puis, aujourd'hui, peut-être compris, bravo d'abord. Merci beaucoup. Alors, question de M. Isaïe Boué. Bino va déployer le risque humaniste. Là, va déployer mon côté. Vous allez battre mon côté. Faites y a mon côté. Alléluia Boué. Bino Boué, vous allez saluer Dengeni, dans le Dengeni, Dengeni. On a pu battre ça dans la cause à la table ensemble. Parce que, va déployer le corps de Christ qui est mon souche, au Bazali, Libana. Où il y a l'église, mon souche, l'église, des réveils, ainsi de suite. Talabamwana, journal 6. Et comme il y a des biens fériés, chômés. Est-ce que y a des gens qui ont dit que les gens ne sont pas en train de se faire? On va ensemble. On est dans la première question. Seconde question. Motomindo a pokoma motopembe. Mais comment vous pouvez aller sur le commandant de la maman qui n'a pas compris la moyenne de la vie? Merci beaucoup. Merci. Na motona ya mwindo akokoma mondele, mondele akokoma mwindo, deuxième question. Ezali na posote. Contexte papa Simon Kimbangu alobelaki yango ezalaki par rapport na ba fonction. Pona tango wana banda na présidence à République ti na se ezalaki kokonzama na ba mindele. Yango papa Simon Kimbangu alobaki bino ba mindele bokozonga na na mikili na bino to na mokili na bino. Biso moko bana mboka tokotambwisa mokili oyo. C'est-à-dire que c'est par rapport à ma fonction. Oyo, bamindele bazo ko kipe na tango wana, pe par rapport na conscience. Yango lelo na 1960 pona contexte à RDC, tozwaki bosomi, e, banda tango wana biso moko tozali ko konza mboka na biso. Mais loko etikali,
ndenge vision ya papa Simon Kimba mpe papa Diangé ndezalaki to dépendre les sources na mindele te bowumbu totika na ngonde yanguana poto sala likamu foka ba mindele ba dicté bo ba loba na biso eloko wana ndezo zongisa biso na bowumbu eza neo colonialisme esengeli makambo nyonso wuta na biso moko poto zali un pays indépendant to ya nde na papa Simon Kimbangu kiangani ye motazo continuer d'ailleurs papa Simon Kimbangu 21 ye wana ayo kozonga na kombo no ya Simon Kimbangu abaki si authenticité kiangani mais c'est le même Simon Kimbangu nde to tuna ye vision na ye ezali nini oleto ke na kotuna ba mindele bazo zonga biso na, na bowumbu po mondela tala ke intérêt na ye yango posa ya papa Simon Kimbangu toza la vraiment réellement indépendant to dépendre na mindele te to salama kama na biso biso moko na question na yo ya liboso église kimbangiste ezali na principe na yango en dehors ya bible eza na ba texte ezo régir église likambo ya bokabwani ebandi lelo te foko yeba yango banda na papa Simon Kimbangu ye moko tango ye bakangi ye pe akufi ba contemporain na ye ebele baza ko boudé papa Diangene ke mwa mwana abotami na miso na biso akoko konza biso te ba musuba sala mangoma na bango foko yeba yango e papa Simon papa Diangenda asala ki nyonso na baye balinga ke pe batosa ki ye yango asala ki na bango ti asale for lelo lingombe komi boy na tango na bango pe ba mususu pe ba se revoltaki e na 1961 Assemblée générale esanganaki tango babokabwani makambo ezalaki ebele ebele pe mi, wana ba papa papa kisolokele papa Dilonga na papa Diangene mikano ekangamaki moto akokota librement soko lingi kobima na yo bima na yo pe libre mais ezali asbe l'association sans but lucratif ezali société te ezali nini te ezali moto akotaka mpona kobikisa molimo na na ye ina association sans but lucratif okokota librement okobima pe librement tango epesami nde mibeko wana epesamaki tango ba tendance na banini ezalaki ba papa bango misato papa kisolokele papa Dilongana papa Diangene bango nde bakanga mikano wana ezali papa Simon Kimbangu kiangani te biso lelo te foko yebake likambo ebanda na ebandeli ndenge moko meme na christianisme yesu atikaki lingoma moko me lelo ekomi boni yesu atikaki lingoma moko lelo ekomi boni nde na tango ya bapapa bamonaki tango papa Simon Kimbangu kianga na ye amoni akonstate mwa ba désordre mwa makambo ebele ebele yango abengaki assemblée générale mpo na kotia ordre e baninga basepeli te bake pembeni moto abengani bango te sikoyo yo ozoloba biso tosala nini papa afongoli maboko abengi bango bozonga ebele bazonga bamosusu tokoki kotanga bango bakombo lelo bakoma bapase lokola bareverant mabandi pe ba mususu azan ekol na ye na bandal ebele bazali o bazonga lelo pe bakoma bakonza lingomba ba mususu wana baboyaki na bango papa bengi bozonga bozonga na ba jejeki o nzembo ebimi penza bozonga maboko na ngeza kofongoma baboyi na bango sikoyo fote ya nani bake na kozwa bango na makasi je le complète d'abord après vous je viens. C'est-à-dire que le problème est le bosso ya le bagiwana ya no mwindu akoma mundele mundele akoma mwindu ndengere vera lo biawa lelo na 1921 nana de la ga gouverneur na Kinshasa a c'était bon mens okuningana te mundele mo ga le bosso guno ta bosso 1000 e boko ningana te Milelo, nana zawana. Si kuvere ngobela no, mwindu te. C'est le roi Baudouin. Otam samboka wa partir à Belgique. Milelo. C'est Fachi Beto no? Tous en est sur place. C'est ça le contexte. Mokano. Et ça te que no posone comme ya mundele, ya mundele comme ya mwindu no. C'est un langage vraiment codé, qu'il faut décoder. Deuxième question au lobby wana ya ya batou ya mukoto en 2001 son éminence avant cette assemblée il y a eu deux assemblées successives pour la nini pour la koluka timia 2002 une autre assemblée mais dans le bagage on dit que l'église est organisée il y a des textes
Milingo me le dit bien. Tant que mutu mutu a monique a séplé na ida salani. Abimi. Librement. Mais posons, mais il y a des textes. C'était que nous. Oui, il y a des textes. Ce qui m'obéco, c'est que la Bible était. Même dans le cas où nous sommes allés, m'obéco fait ça. Ce qui m'obéco est l'idée. Tu vois, t'as le bon tabac de la bague. Donc, il y a une question, il y a côté ça, m'obéco. M'obéco, maman, il y a. Elle est calme. Merci beaucoup, révérend. Le recteur va prendre la parole et puis on va revenir. Merci beaucoup. Na koke de tout droit na but. Nga moko pe na zaki muta résolution. Voilà. Na linga ko tanga yete résumé ye moko. Sok boke la résolution numéro 53 ezanga. J'ai été suspendu de toutes mes fonctions. J'ai suivi la procédure. J'ai réintégré l'église. Je ne me suis pas réconcilié. Ba concept ango yango wana. J'ai réintégré l'église, j'ai suivi la procédure. Lelo naza seke naza mais nazonga ki na sima kuna na ban nazo fanda na baglade na nga nyonso. En fait, en réalité, c'est l'humilité qui précède la gloire. Mundele a komi moto moindo ko mundele. On vous a dit ici, c'est pas la peau, non, c'est là dedans. Neti lelo Fati Béton, président de la République, son excellence, a pesi biso mokolo yango par ordonnance, a signé yango. Mais c'est moi et vous et moi là, biso batoko zongisa yango, to bandi ko koma histoire na biso moko, biso to koma histoire na biso. Po baye ba koma ki histoire na biso bazaki na ba lunette ya Mindele. Ba lunette ya makamu na bango. Mais ce que biso moto vivre makamu na biso, mais to koma yango. Nous allons rendre la vérité de la véracité et histoire Nabisso. Aujourd'hui, nous avons autant d'intellectuels éparpillés à travers le monde. Qu'est-ce qui nous manque de restituer histoire Nabisso? Talan Kambalelo, Kambalelo, nulle part au monde. Alors, nulle part au monde, surtout en Afrique. Mais qui doit valoriser ces Kambala? C'est qui? Mais c'est vous et nous. Mais vous autres qui la bus au Ponanini, voilà pourquoi vous êtes venus. Rendons cette réalité vibrante. Vivifions la réalité. Vous voyez comment Kimbangis de soi zué loco. N'a la takayamo. Le colon mokonza salibuso boui. Bon. Yé mon cas, papa Simo qui manque en gagne. Moutrebi lokonini. A rosong silae. Mais Bissot déjà est sengo. Et c'est Kotina Katina Bissot. Nous pensons que réellement. Oyo bozo sala oyo soki bo keko kata 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 te parce que mabe na bino peza ko kata kata te loba biya solo nerete lobeli bo sala biso bien. Merci beaucoup. Merci Bernard. Le professeur Blaise Mouya est recteur de l'université Simon Kimbangu. Pardon, moi élément important par rapport na makambatoni ya batuana ya mon côté. Na kota la ndenga lure za ko kende ya mabe oyo makani se koma ki ya bango l'état congolais azwaki mokano pe akata ki likambo na tango ya ministre Luzolo Bambi nde mikano ebimaki ete bazwa personnalité juridique na bango basala lingomba ya bango autre que église Kimbangiso. Donc wana l'état moto akata ki makambo wana. Donc inutile ya ko tuna lisusu mituna na likambo wana. L'état kata yango bazwa mikanda na bango basala lingomba na bango librement pour confusion ezalate. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Très grand présentat. Il y a certains portraits qui estiment que vous pouvez répondre des programmes de demain et à ce que le programme en français est mieux possible. Le programme de demain, le 6 avril 2023. Carnaval ou marche joyeuse et pacifique à partir de nos paroisses, à partir de 7h, je peux dire, jusqu'au centre d'accueil de Kassavo, au point de chute. Donc, la manifestation, la fête aura lieu ici à Kassavo, au centre d'accueil. Nakanisi Yango Tolobi. Na Lingala, Kotambola, na rythme ya fliki, ya fanfare Kimbangiste. Na lotomo ya mokonja bule, eko banda na ba paroisse na biso respective,
match ndenge to sala kana Noël kino na centre d'accueil au Singa Tozali ne kilte to manifestation et ko sala mande awa na centre d'accueil ya Kasavu programme nyonso ezande lobby na koko lobe koko banda partir ya ba 10h potozela baninga oyo bakoya nzela nzela na makolo 10h to koko banda programme awa na centre d'accueil ya Kasavu. Merci, c'est avec cet élément que nous mettons tous les groupes par l'entraînement à cet échange libre, occasionné par l'ordonnance présidentielle qui consacre la ligne de Cisarie, Perrier, Chemet, Épée, et de la Ligue démocratique du Congo. Nous remercions les représentants, les grands pasteurs et les membres du cabinet de chef de sécurité du Congo. Nous répondre aux préoccupations de notre confrère journaliste et à qui nous le remercions également pour notre présence et toute notre patience. Voilà, bon service et bon retour dans nos rédactions. Les représentants vont sortir pour les acquitter et nous autres, nous allons rester momentanément. On va tenir du petit conseil.